Bonjour, je me présente, je suis Youssef Dalel, enseignant de communication aux écoles privées. Je suis ici pour vous aider à savoir se présenter en classe. Il s'agit de communication progressive au primaire. Regardons s'il vous plaît la photo. Ici, c'est Omar qui se présente devant ses camarades de classe. Alors, il utilise un acte de parole, c'est se présenter. Mais comment? Suivez-moi s'il vous plaît ce texte de présentation. Bonjour mes camarades, puis-je me présenter? Bonjour mes amis, permettez-moi de me présenter. Ici, vous avez deux choix. Soit vous dites bonjour mes camarades, puis-je me présenter, ou bonjour mes amis, permettez-moi de me présenter. En plus de détails, puis-je me présenter, il s'agit du verbe pouvoir à la forme interrogative. C'est le verbe pouvoir, puis-je. Permettez-moi de me présenter, c'est le verbe permettre. C'est pour attirer l'attention uniquement. Alors, on continue. Soit vous dites je me nomme, je m'appelle, je suis, mon nom est, j'ai 12 ans, j'ai 11 ans, âgé de 12 ans, âgé de 11 ans, etc. Je suis écolier, je suis écolière, je suis élève, je suis apprenant, je suis apprenante en 5e année primaire ou CM2, en 6e année primaire. J'habite à Ennahdoudah. J'habite à Mohammedia, j'habite à Casablanca, j'habite à Rabat, j'habite à Marrakech, n'importe quelle ville. J'ai une grande ambition d'avoir de bonnes notes. Vous aussi, vous avez une grande ambition d'avoir de bonnes notes. C'est ça ce qu'on appelle le message ici, adressé à vos amis. J'ai une grande ambition d'avoir de bonnes notes, ça veut dire suivez avec moi comme exemple. Vous aussi, vous aurez une grande ambition d'avoir de bonnes notes, bien sûr. Cette année. Et vous terminez l'expression par quelques expressions utiles. Lorsque vous terminez bien sûr la présentation, les autres disent enchanté, ravi de faire ta connaissance, ou peut-être ravi de faire votre connaissance. C'est très gentil, c'est très courtois, etc. Bon, gardez toujours cette présentation. Vous pouvez modifier, vous pouvez améliorer. C'est une présentation standard. Alors, merci à vous. Je suis vraiment ravi, j'étais vraiment ravi de vous enseigner cette leçon de communication, cette première situation de communication se présenter. Rendez-vous donc la prochaine séance, il s'agit de présenter quelqu'un, toujours avec communication progressive au primaire. Voilà, merci.